Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'était un très gros vendredi, malheureusement je peux pas tourner toutes les réactions les frères. Il y en a qui m'ont demandé beaucoup de choses etc, mais il y avait plusieurs projets, plusieurs sons. Et j'ai taffé sur d'autres projets aussi à côté, donc j'ai pas pu tout faire malheureusement. Mais je tenais quand même à faire la réaction de Ziak en plus de celle que j'ai faite hier. Je tenais à attendre le clip, c'est pour ça que je la tourne aujourd'hui. Comme ça on va pouvoir réagir ensemble au clip et à la musique. On se retrouve donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, pour écouter le nouveau son de Ziak. Premier extrait de son prochain album intitulé Chrome, qui s'appelle Même pas un grincement. Donc on va partir directement. Ziak, voilà, il s'est installé très très rapidement comme un des piliers de la drill en France. Et là, il nous revient aujourd'hui avec un nouveau son, avec un clip aussi pour accompagner ça. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que déjà, ça va être un son drill ou un son dans un autre délire? On va bien voir. En tout cas, on va partir écouter ça directement. Let's go. On a pris de l'avance sur les ennemis, sur les pornos. On fait ça en vie d'un rhum. Et le plus dur à prendre, c'est la liberté. Non, c'est pas la vie d'un homme. Il y a des pierres et du fer. Il y en a un qui surveille l'adversaire. Un autre négocie le poursif. Il est presque mort, il est presque mort. S'il m'a pris pour cible, et la bonne partie de moi pris pour lui. On s'habitue à tout, ça me fait presque plus rien quand j'encaisse. Je me mets à presque regretter que je vende la cesse. Alors que je paie le GTS, je me mets à presque regretter ma vie d'avant. Regretter les factices, les balles à blanc. Je compte sur un gros coup, je compte pas sur la chance. Je compte sur un gros coup, je compte pas sur la chance. Je compte sur un gros coup, je monte d'un niveau dans le conflit. Tu te dis que ça vaut pas le coup. C'est chaud. Quel clip. Sa mère j'ai le seum. Un enfant est parti avant sa mère j'ai le seum. Et ce soir je dors dans un sofit. T'es l'un des seums fit de je suis seul. On a vu des forces de la nature se prendre des coups de pression par des petits gars tout queus. On me reproche de faire la guerre, mais la guerre ne se fait pas tout seul. Pour moi c'est qu'un aller-retour. On sera rentré avant le tour. Et on demandera pardon au tout puissant si on a le cœur trop lourd. Qui batte, t'entends même pas nous. Oh là 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 là. Quelle claque! Eh bien franchement les frères, je dois vous avouer que je suis agréablement surpris parce que là j'ai mangé une vraie gifle. Déjà on sait que bon voilà, Ziak, niveau drill, etc., il maîtrise son sujet. Il nous a sorti un projet Akimbo qui était juste incroyable, qui a très bien fonctionné. Là il remplit plein plein de salles. Hier il faisait son zénith. Il nous revient aujourd'hui avec même pas un grincement. Et c'est une claque auditive et visuelle. Déjà, grand SO au réalisateur du clip parce que c'est juste une œuvre d'art. En vrai, il est juste incroyable. On a plein 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 d'éléments, plein d'effets, plein de choses. Un gros taf derrière, vraiment. Donc je pense que ça a pris un bon bout de temps à être monté. Et déjà, bah, grand respect, comme j'ai dit, à ceux qui ont fait le clip. Et comme d'habitude avec Ziak, on retrouve un univers super dark, malgré que le clip soit super beau, etc. visuellement. Voilà, on a une couleur dominante qui est le noir, frérot. Tu vois, il n'y a pas de joie ou de plage ou de quoi que ce soit. Vraiment, on reste dans le bresson. Et ça va super bien avec le son, en vrai, parce que quand tu écoutes, tu ressens aussi cette atmosphère-là bresson. Et voilà, hein, honnêtement, énorme claque, parce que Ziak, bah, avec son premier projet qui a très bien fonctionné, on est obligé d'attendre quelque chose de haut de sa part. Il peut pas décélérer ou nous proposer quelque chose de moins bon en vrai. Surtout que c'est un gars qui a vraiment une fanbase solide. Et tu vois, au final t'as beaucoup d'attentes autour de ce personnage là. Donc il peut pas se permettre de nous proposer quelque chose de moins bon. Et en même temps on ressent qu'il en a pas l'envie quand il nous sort un son comme celui-ci. Je sais pas si ça va être l'intro ou autre. Je trouve que c'est un son qui passerait bien en intro. On y retrouve un Ziak très mélancolique dans les paroles, tu vois. On peut ressentir de la peine sur pas mal de sujets. Il nous parle un petit peu plus de ce qu'il ressent, etc. Avec toujours un peu d'ego trip, bien sûr, mais on ressent un Ziak vraiment mélancolique. On ressent toujours la patte Ziak et en même temps cette voix aussi qui laisse pas indifférent. Mais pour autant, ça ressemble pas à ce qu'il a pu faire sur Akimbo. On ressent une évolution. Et c'est ça qu'on attend de sa part en vérité. Donc j'espère que ce sera comme ça sur la plupart du projet. Nouveau flow, nouveau délire d'utilisation de voix. Franchement, on a tout ce qu'il nous faut dans ce son là pour être satisfait. Et en même temps on a une prod aussi super efficace avec une mélo en fond. Je sais pas trop si c'est du violon, je sais pas ce que c'est exactement comme instrument. J'ai pas envie de dire une dinguerie. Mais voilà, on sent que c'est un petit peu particulier et tout. Mais il y a toute une atmosphère qui se dégage vraiment. Et en regardant ça avec le clip, ça rajoute encore quelque chose en plus, tu vois. Donc non, franchement rien à dire sur le son, si ce n'est que vraiment très très fort. Et que là il a annoncé son projet Chrome qui est en précommande dès maintenant les frères. Donc si vous voulez aller voir et tout ça, n'hésitez pas. Et je pense que honnêtement on va pas être déçu. Je pense qu'au delà du personnage etc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui donne de lui-même, qui travaille au max pour proposer de la qualité. Et ça se ressent aujourd'hui avec le son Même pas un grincement. Donc hâte de voir la suite vraiment. Hâte de voir ce qu'il a pu nous concocter pour le projet Chrome. Puis voilà l'équipe, n'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous avez pensé du son et du clip en commentaire. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.